Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ramène encore dans ma recette de haricots blancs aux saucisses géantes fumées. Et mes saucisses, ils sont là. Ça sont mes épices. J'ai le céleri, poireau, poivron blanc, ail, oignon, tomate, cube jumbo. Et là, j'ai le poivre blanc qui est là avec nous. Là, j'ai le persil. Et là, j'ai le poivre noir. Ça sent mes... Et là, j'ai le jumbo magie. Et là, j'ai mes côtes fumées que j'ai déjà lavées. J'ai lavé mes côtes fumées. J'avais déjà fait bouillir mes haricots. C'est 1,5 kg. Après, il y a une commande. Donc là, je les avais fait bouillir. Je les ai lavés. J'ai mis dans l'eau. Je connais que tout le monde, je sais que tout le monde sait préparer les haricots. Voilà pourquoi je ne vous ai pas montré les haricots quand ils étaient encore crus. Je les ai lavés, j'ai choisi, j'ai jeté ce qui était sale et j'ai pris ce qui était bon, j'ai mis dans l'eau et j'ai fait bouillir aux environs de 15 minutes à 20 minutes. Et là, j'ai mis de l'eau pour mettre mes côtes fumées, les faire bouillir parce qu'elles sont congelées. Même si elles n'étaient pas congelées, je devais d'abord les faire bouillir à côté. Donc là, je fais bouillir parce que j'ai lavé, ça sont les peaux de... Là, je mets dans l'eau, regardez. Je mets dans l'eau. Voilà. Je vais les faire bouillir au moins pendant 10 minutes. Je vais faire bouillir pendant 10 minutes. Je vais rajouter de l'eau. Après, je ferai la sauce. Et je vais vous montrer à la fin, après avoir fait bouillir, je vais vous montrer comment ça va se passer. Et entre temps, là, je vais remettre cette marmite au feu. Je ne vais pas préparer dedans, je vais juste faire bouillir. Regardez, j'ai juste fait bouillir les haricots blancs. Vous pouvez les trouver à Auchan, dans l'épicerie africaine, partout, dans tous les centres commerciaux. Partout, Auchan, Lidl, Leclerc, partout, Carrefour. Et là, j'ai fait bouillir déjà. Et là, j'attends mes cotisses fumées. Je vais les mélanger avec les saucisses géantes que je vous ai montrées. La saucisse géante fumée. Et donc là, je vais passer à mixer mes épices le temps que mes côtes fumées puissent bouillir. Et à tout à l'heure. Oui les amis, ça sont les saucisses géantes, comme je vous ai montré, fumées. C'était congelé, comme c'était au congélateur. J'ai fait bouillir ensemble avec les côtes fumées. Voilà pourquoi vous avez vu que c'est, vous voyez, c'était entier, comme j'avais oublié ça au feu. Et ça donne ça. Ça sont mes côtes fumées. Parce que je les ai d'abord fait bouillir. C'était congelé. Mais même si ce n'était pas congelé, je devais faire bouillir. Donc j'ai fait bouillir mes côtes fumées. Je les ai lavées. Ça sont mes côtes, mes saucisses fumées géantes. Je vais aller chercher ça chez Lidl. Là, j'ai mis ma poêle au feu. Ici, j'ai mes haricots, regardez, qui sont déjà cuits. On attend la sauce. Ça, c'est ma bouteille d'huile de palme. J'ai mis un peu d'eau, regardez. J'ai mis un peu d'huile. Pour que ça fasse un peu le mélange d'huile de palme, la couleur, hein, c'est la couleur que je veux. Regardez.
voyez, c'est l'huile de palme mélangée avec de l'huile. Hein? Regardez, j'ai remué la bouteille. Il y avait juste un peu d'huile de palme, même pas un demi-verre. Donc, regardez, j'ai fait ça. Je vais mettre les épices que j'ai mixées. Je les ai mixées, mes épices sont là. Et là, je vais mettre mes épices. Là, je mets mes épices. J'ai mixé l'ail, l'oignon. L'ail, l'oignon, le poireau et le céleri. Vous voyez, ça donne ça. Je vais enlever mon truc. Là, je vais mettre mon poivre noir. Une cuillerée à soupe et une cuillerée à café et demi. Je vais mettre mon persil. Pour le persil, je sais. On vient de... Voilà. Je vais mettre un peu de poivre blanc. Un peu de poivre blanc. Et là, je vais mettre la tomate. Je vais mettre la tomate purée, hein. Tomate pelée. Voilà. J'ai mis le petit tasse là, ça est là. Et je vais mettre les trois feuilles de laurier. Je vais mettre le bouillon. Désolée. Regardez le bouillon de bœuf. Bouillon de bœuf. Une cuillère à soupe. Entre temps, je vais fermer comme ça. Voilà. Il a son couvercle, mais bon. Couvercle, les amis, pour que ça ne me saute pas dessus. Et là, je vais mettre le jumbo. Je vais mettre le jumbo. Jumbo, j'ai mis un jumbo. Et je vais mettre le adja. Je vais mettre un adja aussi. Et je veux attendre que ma sauce là puisse. Voilà. Tout à l'heure. On va attendre au moins 5 minutes que la sauce là puisse bien cuire. Je veux mettre les saucisses, hein? Je veux mettre les saucisses à l'intérieur de la sauce là. Je vais mettre les saucisses. Je vais couper mes saucisses, fermer d'abord mon truc. Regardez mes saucisses, je vais les couper comme ça. Une saucisse, je coupe en quatre. Saucisse géante fumée, hein, c'est fumé. Voilà. Vous pouvez mettre aussi les saucisses normales, hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Mais si vous pouvez, vous faites. Pour ceux qui sont au pays, ils peuvent mettre aussi du saucisson à l'ail.
comme du cassoulet. Voilà. Là, j'ai mes côtes fumées. Elles sont bien lavées. Et je vais mettre mes saucisses à l'intérieur. Je vais mettre mes saucisses pour qu'ils puissent avoir le même goût que la sauce. J'aime bien faire les choses. Après, on va la renverser. Elles ne vont pas mettre du temps parce que les saucisses aussi, il ne faut pas que ça mette trop du temps au feu. Regardez, c'est ma sauce. Je vais mettre mes côtes fumées. Là, je vais mettre mes côtes fumées dans ma marmite. Voilà, j'ai mis mes côtes fumées. J'attends la sauce pour renverser. Voilà, et à tout à l'heure. On attend que ça puisse cuire, au moins 5 minutes encore. Mes 5 minutes sont suffisantes, les amis. Ça, c'est ma sauce. Je vais enlever et mettre ma marmite. Tac. Et là, F le boko, mer le boko, bota la kaka, bilengi a boye, bozui wapi. Maman a bané belé. Tata moi si a baléki. Tata moi si a bana. Bozui wapi bilengi a boye. Bolingi ko yoko la te, kaka na F traiteur. Faites vos commandes. La marmite elle est trop petite, mais je vais changer la marmite de suite, les amis, de suite. De suite, je ne savais pas que ça devait donner tout ça. Et tout à l'heure, je vais prendre ma marmite. Ça, c'est l'haricot. J'ai changé de marmite. Donc là, je vais laisser. J'ai changé de marmite. Voilà. Et on va laisser. Comme tout était déjà cuit, on va juste laisser la sauce encore, puisse encore cuire encore un peu. Mais sinon, les côtes sont déjà cuites. Les saucisses aussi non plus, faut que ça soit pas que ça soit aussi trop cuit. Mais elles, comme c'était congelé, donc je les avais fait bouillir avec, vous allez voir dans la vidéo. Donc là, je veux juste mettre un peu d'eau, juste un peu d'eau, un peu d'eau, juste un peu. Regardez. Je vais remuer la même poêle. Je vais mettre un peu. Voilà. On va ajouter un peu de sel parce que il y a 1,5 kg. Hein, 1,5 kg d'haricots. Vu que c'est une commande de 3 personnes. Donc. Là, je mets du sel et le reste, les clients, ils vont rajouter. Ça se mange avec du riz, de la semoule, la chikwangue ou le foufou, mais pas la banane, hein, parce que ça, avec la banane, c'est la gastro, hein. Pour ceux qui ne mangent pas la banane, vraiment manger avec du pain. Ni la banane grillée, ni la banane plantain. Manger du pain, si vous ne mangez pas du foufou ou de la semoule, manger du pain ou le riz. Donc, je vais la laisser cuire. J'ai rajouté de l'eau. Je vais la laisser bouillir un peu. Moins 10 minutes après c'est prêt, donc à tout à l'heure. Je ferme la marmite tout à l'heure, les amis, à la présentation. Oui, les amis, là nous sommes à la fin de notre
repas, j'ai fait les côtes fumées avec les saucisses géantes fumées. Et là, nous sommes à la fin. Comme je vous ai dit, que ça se mange avec du riz. Ça y est là. Le manioc, le foufou, le pain, mais pas la banane plantain. Parce que si vous mélangez la banane plantain et les haricots, là, vous allez faire la diarrhée, hein, la gastro. Et donc là, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, partager. Abonnez-vous, je vous aime. Merci à tous mes abonnés. Merci aux frangins, frangines, à mes grands, à la famille, à tout le monde qui me suit de loin comme de près. Je vous aime. Bisous. Au revoir, c'est Eve Traiteur. Contactez-moi, excusez-moi, contactez-moi au 07 77 05 82 81 pour toutes vos cérémonies, anniversaire, mariage, baptême, retrait de deuil, location de matériel, décoration des salles, service traiteur. Bisous, au revoir.